Déjà un pipi? Allez, on y va. Ouah, t'as déjà des arbres qui se sont cassés la gueule, là. Allez, Lady. Bon, bah, la tempête qui a passé sur la Manche, qui est très proche de ma région, parce que moi, je suis du nord, pas du nord-ouest. Allez, saute, ma biche. Allez, vas-y, tu sautes. Allez. Oh, putain, ça glisse. Enfin, voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des amateurs en champignons? Ouais. Comme le taux d'humidité, bah, il est assez balèze en Picardie, dans ma région, bah, il y a des beaux champignons qui poussent. Tu fais ma série, tu regardes quoi? Tu regardes les champs? Allez, on y va, allez. Tchuss de monsieur, voilà. Bienvenue pour une petite balade dans mon secteur. Bon, bah, on a Lady qui se soulage là juste devant moi. Elle fait un caca. T'as bien raison, ma chérie, c'est bon pour la nature, en plus c'est de l'engrais. Donc je vous emmène sur les chemins qui se trouvent à côté de ma maison. Donc voir un petit peu, les dégâts, il n'y en a pas. On a, on va dire, une tempête qui est passée pas très loin de ma maison. Donc je fais un petit tour dans les champs et dans les prés. C'est parti, c'est pour vous. Alors j'ai avec moi une petite impatiente. Ah, ce qui est pas mal, c'est que bah, dans ma région, malgré la canicule sur le reste de la France, bah, écoute, regardez, c'est très très vert. C'est vert. Regardez, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Et là, je suis sur un chemin rural du bois, la commune de Fressenville. Et j'ai traversé cette portion de petite nationale où ça circule énormément. Le chemin que de là où je viens, il est juste en face. Et là, la portion, elle est réglée à 50 km/h. Faut faire gaffe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un radar mobile. En temps normal, c'est 80 sur cette route-là. Et là, ils ont mis 50, donc vous imaginez bien que le radar, il est réglé à 50. Donc, il y en a une paire qui vont se faire allumer, c'est certain. Alors, on a Lady qui est pressée, ma chérie. Dis, pourquoi tu tires comme ça? Faut pas tirer, mon bébé. Allez, vas-y. Lady pressée, hein. Ah, moi, chérie, toutou. Donc là, vous entendez dans le fond de la vidéo le son du bruit des voitures de la nationale. Et plus je vais m'enfoncer dans les prés, et moins on va l'entendre. Et va régner soudainement le calme. Alors, il y a un faucon qui est en train de nous tourner autour. Lady, elle est sur le qui-vive. Ah, mon bébé, il est où? Il est où? Viens. Il passait au-dessus de ma tête, c'est con, j'ai pas été assez vite. Oh, toutes les branches qu'il y a partout. Je l'entends pour sortir ma caméra. Alors, on a une fifi qui n'arrête pas de tirer. Le problème, c'est que je peux pas la lâcher parce qu'elle a pas de rappel. Elle serait capable de se foutre dans les barbelés puis se faire du mal. Doucement, mon bébé. Et là, le chemin, c'est vachement resserré parce que ça n'a pas été entretenu là, sur le côté droit. Puis bon, évidemment, on a beaucoup de pluie. Donc, automatiquement, c'est bien vert. Il y a quelque chose, là. Je l'entends. Je suis pas tout seul. Écoutez le faucon. Mais arrête, Lady! Il est au-dessus de moi. Il me suit. Ou alors est-ce qu'il suit le truc que je viens d'entendre à l'intérieur des bois? J'en sais rien. Alors ma petite chérie, aujourd'hui, elle est pénible. Regardez, elle est toute excitée. On n'est pas tout seul. Je sais qu'il y a quelque chose. Le faucon, c'est pas après moi qu'il en a. Alors vous dire si c'est un faucon, j'en sais rien, mais en tout cas pour ce qui est du vent, de la tempête, on en parlait, regardez. Elle a déraciné cet arbre-là, donc pas beaucoup de racines, mais elle l'a déraciné. Comme quoi ça a bien soufflé quand même par chez moi. Faut dire que là au niveau où je me trouve, ma maison elle est approximativement à 4 km d'ici. À vol d'oiseau évidemment. Pour que vous compreniez un petit peu, depuis le départ du parcours, elle est comme ça. Quand on est arrivé au niveau des bois. Allez, elle tire, je sais pas après quoi elle en a. Là elle tire. Lady, t'es pénible, ma chérie. Donc là où je me trouve, je vous fais une vue d'ensemble. Doucement, tu te fais du mal pour rien. Oui. Bah clairement, je suis au milieu de champs d'éoliennes. On appelle ça des éoliennes. Bah ouais, c'est des éoliennes quand même. Mon bébé, t'es pénible. Ah franchement, t'es pénible. J'ai rarement vu Lady autant excitée. Donc là, je me trouve au niveau de bah, une petite centrale électrique qui se trouve là-bas. Non, tu rentres pas là-dedans, ma chérie. Et le chemin, il se resserre vachement, comme vous pouvez le constater.
Ça, c'est la centrale. Toujours aussi excité. Elle lâche pas l'affaire. Hein. Donc, pour vous voyez un petit peu dans ma région, la hauteur des champs de maïs. Regardez ma tête, regardez juste derrière. Vous avez vu ça? Waouh! Je sais qu'il y a des régions qui sont loin de me dépasser au niveau de la taille. Voilà. Allez, on y va. Allez, ma fille. Ça y est, je sors du chemin. J'en vois le bout. Ah bah oui, évidemment. Vous voyez, comme je vous dis, il pleut beaucoup dans ma région. Voilà. J'ai toujours pas investi dans une caméra avec, vous savez, je sais plus le nom, je sais même plus comment on dit. Pour éviter que là, voilà, stabilisation. Donc là, je me trouve à Niba. Donc Niba, elle se trouve juste là. Donc alors, soit je prends le chemin là qui va en sens interdit. Bon, moi, j'ai le droit, je suis à pied. Hein. Alors, soit je remonte et là, sur ma droite, il y a un chemin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter par là et il y a un chemin juste sur ma droite et je vais le prendre. Bon, Fifi, on fait quoi? Je vais pas le prendre. Je viens de me souvenir que bah là, c'est la saison où il y a les vaches, il y a tout ça. Et il faut que je franchisse une pâture. Et avec Lily, ça va pas le faire. Et que les vaches, les bœufs, parce que c'est peut-être des bœufs qu'il y a. Hein. Allez savoir, donc je reste sur le côté. Donc quand vous marchez sur une route, marchez toujours à gauche, pas à droite. Le fait d'être à gauche, ça vous permet de voir les voitures arriver. C'est important. Vous voyez ? Je vois les voitures arriver, que quand vous marchez à droite, parce qu'en France on roule à droite, les voitures elles arrivent dans votre dos, vous ne les voyez pas. Allez mon bébé, on y va. Donc du coup, je vais prendre le chemin en sens interdit. Ah, vous voyez, juste à côté de mes pieds, il y a Lady. Elle a arrêté de tirer, elle a arrêté d'être faux folle. Ça y est, tu t'es calmé ta joie? Ouais. Elle s'est calmée sa joie, ouais, ça y est. Ah, je l'aime mon chien, mais des fois elle est pénible. Ah, elle est terrible, c'est ce qui fait son charme. Oh, elle se fait gronder, hein, croyez pas ça. Hein. Mais après, vous imaginez bien que je ne suis pas méchant avec elle. Les gens me disent, elle doit t'écouter. La route en sens interdit, elle est derrière moi. Donc là, vous avez un premier chemin sur votre gauche, puisque moi, je m'en vais dans cette direction-là. Vous avez un deuxième panneau sens interdit. Si vous continuez, que vous rentrez dans Niba, sur votre gauche, vous avez encore un chemin. Donc, ce qu'il faut éviter par rapport à l'autre route que je voulais emprunter là-bas, je vais zoomer dessus, pour vous le voyez. Il y a un chemin aussi qui passe. Alors, le chemin qui passe, il se trouve là, à mon doigt. Je sais que ça tremble, désolé. Et il s'en va sur le bout de chemin qui est... Attendez, je vais vous le montrer. C'est là-bas. Attendons, on prend l'éolienne, une, deuxième éolienne en partant de la droite, voilà, le chemin, il est juste, voilà, on le voit, ici. Et là, entre les deux, il y a un chemin où il faut franchir des barrières en aluminium qui va vous ramener sur ce chemin-là. Donc moi, évidemment, je vais emprunter ce chemin-là. Donc quand vous êtes avec un toutou qui n'est pas associé avec les autres animaux, je vous déconseille de franchir les barrières avec les vaches ou les bœufs, voire peut-être des fois des taureaux parce qu'il y en a, dans une très grande pâture, parce que c'est un chemin communal, mais il faut franchir deux barrières. Vous voyez, il y a deux barrières et puis les deux barrières, elles sont distantes de 150 mètres chacune. Donc on a le droit de le faire, mais dans le respect évidemment, puisque c'est un chemin communal. Mais ça se ferme des deux côtés pour éviter les vaches de se sauver. Elles peuvent passer d'une pâture à une autre. Voilà en fait le sens de ces fameuses barrières en aluminium. Voilà, clairement. Bon, Fifi, on s'en va par là? On est parti? Allez, on y va. Allez, par là, allez. Allez, ma chérie, on y va. Il y a un chevreuil juste là-bas. Regardez, je vais zoomer sur lui. Regardez. Lydia ne l'a pas vu. Il se cache, moi je l'ai vu. Je fais un peu de bruit pour essayer de l'effrayer, pour que vous le voyez. Regardez. Il est caché, il s'est caché à l'intérieur. Regardez, il est là-bas. Génial. Moi en fait j'ai fait le tour là, vous voyez les appartements qu'il y a là-bas. J'ai fait tout le tour comme ça et je suis revenu par ici, par le chemin. Hop. Enfin voilà. Oula, excusez-moi pour la caméra, j'atteins du mieux que je peux. C'est pas évident. Mais il sait que je l'ai vu, hein. Lady elle le voit pas parce que forcément elle n'est pas à la même hauteur que moi. Quand des fois vous êtes en bivouac, vous êtes en. Puis vous voulez passer une nuit, vous êtes avec votre tente de camping, vous pouvez dormir dans des endroits comme celui-ci, avec les ballots de paille. Au moins vous êtes sûr que le cultivateur il vous verra, il vous roulera pas dessus. Mais quand vous repartez par contre, vous repartez avec vos déchets, ça c'est important. La nature c'est pas une poubelle. Il est juste là. Lady viens, mais oui, elle l'a senti, regardez, elle l'a senti. Elle sait qu'il y a un chevreuil. Ouais mais il est plus gros que toi ma fille. Hein. Alors là sur ce coup-là t'es mal. Il est juste là mon doigt. Avec ses oreilles qui dépassent.
pas ça, je vais essayer de faire le zoom. Il a enfoncé sa tête dedans, on le voit plus. C'est incroyable comment ils savent se cacher et plus bouger. Les lapins font la même chose. Il y a même les perdrix aussi, les oiseaux, ils savent faire la même chose. Des fois, vous passez à côté d'eux, mais comme là, dans les hautes herbes, quoi. Et puis au moment où vous passez, boum, ils se barrent derrière vous parce que vous êtes à deux doigts de poser le pied sur eux. Vous marchez à côté d'eux, allez, à 30 cm. Des fois, les dix passent à côté, elle les voit même pas. Mais il y a un lapin juste là-bas. Je vais essayer de vous le zoomer, c'est pas évident. Je vais voir ce qu'il y a les dix qui est à côté, attention. Là, mon doigt. Il bouge. La vache. Incroyable. Quand c'est observer la nature, on voit des belles choses. C'est pas par là. Bon, je sais qu'il y a du vent. Allez, on y va. Allez. Allez. Là, c'est une mise cascadeuse. Oh, elle a pas été dans l'eau cette fois-ci. Depuis tout à l'heure, elle arrête pas de se foutre dans la flotte. Dans l'eau. Regarde là, bébête. Là. Sainte, la cherche bébête. Là, c'est sale. Là, c'est sale. Bois pas l'eau là. On y va. Me voilà arrivé sur la terre, on va dire ferme. Façon de voir les choses, il n'y a plus le gazon. Donc tous de monsieur voilà, plus pour une future vidéo et Dieu seul soit nous mènera. En attendant, prenez soin de vous. Allez, bye bye. Et on y va ma fille. Allez, c'est parti.